Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de... L'épisode 12, c'est ça là? Je crois qu'on vient de... Non? Il me semble qu'on vient de là, on fait l'épisode 12. Non, on a fait le 11 et là on fait le 12. C'est ce que je suis en train de dire. C'est l'épisode 12 du coup. Oui, oui c'est ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans l'épisode 12. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Oui. On va commencer par aller faire du le pognon. Stylo. Oui, on va commencer par le stylo. Tu vas tenter de récupérer ta hache aussi. Oui. Le blacksmith. Ah oh, les géodes. Chez le forgeron, effectivement. Les géodes. Et il faut que j'arrose mon petit jardinet. Bref, aussi. On va aller faire un petit tour en ville. À côté de chez Swan. D'abord, on arrose. T'as raté et tout le monde l'a non, vu. Non, j'ai pas raté, j'ai juste arrosé le deuxième. Ouais. C'est moins pire que d'arroser rien. C'est vrai, parce que des fois t'arroses rien du tout. Pardon. C'est toujours aussi passionnant d'arroser ses fleurs. Je suis désolée, il faut que je construise des petits arroseurs automatiques. Des sprinkles. Comment c'est... Je crois que c'est des arroseurs. Oh, je suis à sec. Est-ce que je... Merde. Et voilà. Et ça suffit maintenant. Arrêtez tout de suite de penser à ce que vous pensez. Non, vous avez recommencé. C'est pas si drôle que ça. Ah, voilà. Okay. Allez. Je viens de faire la carpette. L'animation du chat était parfaite. Oh. Allons chez Robin. Robin d'abord. Ah, il y a une poupou qui va entrer. Vas-y, va ouvrir la poupou. Pendant que je vais chez Robin. Je me suis un petit peu éloigné du micro, je pense. Chez Pollock. J'espère que ma hache est bien chez Robin. Très bon aujourd'hui. Une très belle journée pour jouer. Ah, c'est fermé, ça ouvre à 9h. D'accord. Bon ben, je vais aller pêcher. J'ai pas ma canne à pêcher. Ouais. Ma vie est nulle. Ah mais c'est ça en fait, parce que ce qui est bien dans le fait d'avoir des coffres pour poser des trucs pour quand tu vas à la mine et qu'effectivement t'as pas besoin de tout emmener, c'est que quand tu après tu fais autre chose, ben t'as pas ce qu'il te faut. Hé, tu veux un oignon nouveau? C'est un super cadeau, merci. Hé, fermière! Alors je me suis arrêté chez Pierre l'autre jour et j'ai acheté un panier frais. C'était la première fois que j'avais vu ce truc comme ça depuis un petit moment. Je l'ai cuisiné pour le dîner la nuit dernière. Ça a rempli ma maison. T'as pas de maison. Avec une odeur appétissante. Oh, c'est génial. Je suis content que le stock de Pierre se remplisse encore une fois. C'est parce que je lui en ai vendu, en fait. C'est pour ça. Ça va prendre de l'exemple. Je suis vraiment content. Faudrait pouvoir sauter d'ici, là. Je suis sûr que je mourrai pas. J'aime bien parce qu'il y a vraiment la sensation que tu descends une petite colline alors que c'est tout plat, visuellement. Oui, c'est vrai. Bonjour Robin, je voudrais construire des choses de la ferme, ouais. Notamment un silo. Construis-moi des choses pour ma maison. Alors, où est-ce qu'on met le silo? Est-ce qu'on le met juste à côté du poulailler? Ouais, c'est pas con. Genre ici? Ouais. Ou derrière? Oh, derrière, ça peut être chiant, non? Non, parce que ça fera joli. Ah bon. Ah mais ça fait pas exactement le même nombre de carreaux. Comme ça, peut-être? Ouais, comme ça me parle un peu plus. Hein. Alors, combien de jours ça va te prendre, Robin, là, de bouger le cul? Je vais me travailler sur ton nouveau silo. Première chose que je fais demain matin. Ok. Très bien. C'est marrant qu'ils parlent tous comme s'ils étaient en train de traduire leur dialogue très mal de l'anglais. Ils ouais. ont tous les mêmes défauts d'élocution. Et maintenant, on va chez le forgeron. Ouais. Comment il s'appelle déjà, le blacksmith? Smith? Non. Et il est black. Pardon. Alors ça c'était nul, ça. Faut pas faire ça. C'est pas grave, tu pourras le couper. La magie du montage. Bonjour. Comment il s'appelle déjà le forgeron? Mais je sais plus. Arrête de me crier dessus. Clint. Poupou. Viens ma poupou. Viens leur dire. Je crois que c'est Clint. Ma hache. Ah, c'est toi qui l'avais. C'est toi qui l'avais depuis tout ce temps. Est-ce que t'as des outils à upgrader? Ah, faut que j'aille. Des géodes à péter. Hey oh. Oh, un steak. Non, c'est de la nécoïte. C'est la pierre du chat. Oh, et de la sandstone. Oh. Est-ce que Gunther a déjà vu toutes ces choses merveilleuses? Est-ce que tu veux un oignon nouveau? Est-ce que tu veux une patate? Soupir. Ah, il aime pas ça.
Alors. Bravo. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu lui aurais fait une patate et ben il aurait été alors très content. Alors ça, j'en ai déjà montré à Gunther et ça aussi. D'accord. Du coup, tu vas en faire quoi? Mais j'ai ma super. Mais je vais les vendre. Je vais les vendre pour faire plein de pognon. Le pognon, ça fait l'argent et l'argent, ça fait le bonheur. Le son je dit, suis les une enfants. Femme vénale. Oui. Non. Ah, tu m'as pris au piège. Bien joué. Si, je suis une femme vénale. Pas de mal à ça. Vous êtes que si, je ne sais pas. Ah, mince, il m'a vu. Ah là là. Eh, hey, fais pas ça, grosse dégueu. C'est pas moi, tu veux un biscuit? J'imagine que c'est l'attention qui compte. Putain, il m'a vu fouiller ses poubelles. Tiens, tu veux un biscuit? Je l'ai chopé dans la poubelle de quelqu'un d'autre. C'est tellement dégradant de se faire. Ah, t'es dégueulasse. Pas grand délit de... Et ben voilà, j'ai le titre de cet épisode. Camillette, la grosse dégueulasse. Non, ce serait pas très vendeur comme titre. Non, je pense pas. Alors, maintenant qu'on a entamé la construction du silo, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faudrait pouvoir s'acheter des poules, non? Ouais, mais il faudrait de l'argent aussi. Bah, pour ça, il faut miner. De toute façon, il nous faudra plein de minerais. Ah, j'ai récupéré ma hache. On va pouvoir faire d'autres coffres. Ah oui, c'est vrai. Des coffres pour mettre différentes ressources de quoi? Ouais, d'accord. Et ensuite, on ira pognon, dans la mine pour... Pognon, caillou. Ok. J'aime faire le tri dans mon inventaire. J'aimerais bien qu'il pleuve demain, comme ça, j'aurais pas à arroser... Putain de plante. Oh, un petit bout de bois, il est mardi. Oh là là, tout ça, ça va faire du bon foin. C'est quoi qui... Ah non, d'accord, c'est la serre. Oh, j'ai envie d'améliorer encore, parce que là, tu vois, c'est lent encore. Bah, c'est le problème quand t'as une partie qui est vachement en avance sur l'autre, quoi. Ah, et que du coup, moi, casser les pousses d'arbres. Je vais garder les bébés arbres. Mm-hmm. Les bébés arbres. Non, mais si, les bébés arbres, hein, c'est... Les jeunes pousses pour que ça devienne plus tard des grands arbres. Alors par contre, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est des arbres exprès pour récolter les sèves. Mmh. Donc pour ça, il va me falloir les fruits. Afin de faire du bon sirop d'érable. Ouais, mais ça, je vais les construire juste à côté de ma maison, comme ça, j'aurai pas besoin de faire 10 km pour aller chercher ce fruit. Un distributeur de sirop d'érable. Ah non, mais je suis... Bien joué! Putain de connasse de merde. Mais en fait, c'est pas pratique, la maison sur la rivière. Bah oui, non, c'est chiant. Ouais, pour ça, ouais, faut que t'aies sur le côté. Je n'ai pas le bon outil. Putain, je suis déjà... Regarde, ma barre d'énergie est déjà... Là, c'est difficile de... Je trappe la plate. ...casser des arbres. Ça demande mais regarde, cet arbre-là, là, j'ai pas le choix. Il va forcément tomber à gauche. Et ça va être triste. Pas forcément. Oh hey. Oh, il m'a entendu. Les arbres sont bienveillants. Merci, gentils arbres. Fin que lui, il va tomber en arrière, c'est... truc à jamais. Tu ne mourras pas. Plein de bois, j'ai de quoi faire deux coffres, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et là, j'ai de quoi planter un arbre de chaque. Vous avez besoin de faire beaucoup plus de coffres, là, pour l'instant. Attends, combien ça prend de faire un extracteur de sève? Oui, ma popouche. Oui, t'es belle. 40 wood et 2 copper bars. Et j'en ai besoin de 3. Donc il me faudra encore plus de bois. Voilà, c'est pas que pour faire les coffres, quoi. De toute façon, le... Ouais, non, mais le bois, c'est une... Voilà, c'est une ressource de base. Ah non, je vais plutôt casser lui. La poupou, elle aime bien montrer son cul. Non, c'est pas... Non. T'as pu récupérer 5 bois. Chut, ne dis pas combien. Ça... Ah, oh là là, j'ai plus d'énergie du tout. Oui, ma chouchou, c'est belle. Vous la voyez pas, mais il y a la poupou qui vient se frotter sur la manette, qui est... Voilà. Qui a très envie qu'on s'occupe d'elle. Oui, tu es là aussi. Oui, tu es belle. Minute. Alors, chut. Viens me voir ma poupou. Viens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter un arbre ici. Bien. Mais oui, t'es belle. Hop là. Ici. Voilà. Et ici. Des arbres? Ah oui, d'accord. Ah, tu plantes 3 arbres différents. Oui. Je sais pas s'il y a besoin de les arroser. Mais comme j'aime bien les arbres, je vais les arroser. C'est bien, c'est gentil. Putain, il est que 3h50 et j'ai plus d'énergie. Ils te seront reconnaissants. Ouais, tu peux manger pour avoir de l'énergie, c'est ce que je fais, moi. Ouais, ça fait un peu gaspillage. Mais là, je vais pas faire d'autres folies, quoi.
Par contre, je vais construire un autre coffre. Deux du coup, coffres. Tu vas être couché direct là ? Non, je vais trier mes coffres. Ça, on va le mettre en couleur vert et on va dire que c'est. Les minerais, enfin les. Non. D'accord. Les plantes. Mettais, alors. Ok. En vert. Bah oui. Et contre tous. Oh, elle a fait la blague. Tout ce qui est végétable, finalement. Mais ça suffira. Enfin, après, il faudra refaire des coffres pour les. Oui, voilà, c'est ça. Oh. On va mettre les algues aussi dedans. J'aurais pu mettre les graines. Pouette, 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 pouette. Tri. Oh. Ok, et j'ai encore un autre coffre. Bah, du coup, j'ai peut-être un coffre en trop. Non, je sais ce qu'on va faire. Là, j'avais dit que j'avais mis quoi ? Les loot. Ouais. On va faire autrement. On va faire autrement. Mais là, ce qui va être chiant. Réfléchis, Camille, réfléchis. On va peut-être mettre par là les loot. Ah, réfléchis à votre, comme ça tu partages. Ouais, je mets les loot à gauche et à droite, en fait, c'est tout ce qui est équipement que j'ai pas besoin quand je pars. D'accord. Peut-être le faire en gris, celui-là, du coup ? Gris, je pensais plutôt pour les matériaux, tu vois. Genre la pierre, le bois, enfin non pas le bois du coup, mais la pierre. On va mettre un gris comme ça. Non, je vais mettre. Oh, regarde, il y a plein de couleurs. D'accord. Ah merde, attends, ça c'est pas la bonne canne à pêche. C'est celle-là, ma très bonne canne à pêche. Après là, il n'y a pas que des minéraux. Les graines, je vais peut-être plutôt les mettre dans l'hôte. Ça, j'en aurais besoin peut-être pour aller à la mine. Ça, c'est du fertilisant. Ouf, les armes là à côté, je sais pas ce que je vais en foutre. Ah, le coffre des minéraux, faut que je le mette juste à... Enfin, ouais, c'est pas bien grave. J'avais envie de le mettre juste à côté de la forge, parce que si je fais des allers-retours entre la fournaise, là. Ouais. Oui. Ça, et ça. Tu vois, ça aurait été plus logique de faire l'inverse. Ouais, de mettre juste à côté, effectivement. Enfin bon, c'est pas pour deux pas de plus. Surtout qu'après je vais en mettre d'autres, donc ça va être vrai. Ok, donc ça pour l'instant j'ai pas encore mon silo, donc c'est pas la peine. Ça on verra quel temps il fait demain. Ça, a priori j'en ai besoin, la canne à pêche pas tout de suite. Donc ça va être les équipements. Du coup j'ai bien envie de mettre du rose parce que j'aime le rose. Et ça c'est des loot. Les loot on va mettre. Bah t'as plus de coffre bleu du coup. Ouais, mais bleu quand il y aura des poissons peut-être plutôt. D'accord. On peut mettre un mauve pour les loot. Bon, parce que pas, ça fait écoute, loot épique, tu sais. Peut-être. Ouais, non, tu sais pas. En fait. Non, je sais pas. Oh. Ignore. Pourquoi tu mets ça dans les équipements ? C'est parce que c'est une bombe, ça peut servir quand tu vas à la mine. Ah, d'accord. Ok, on n'est pas trop mal. Il faudra vraiment qu'on récupère du cuivre. Bon, on va dormir. Écoute, d'accord. Putain, la vache, ouais, c'est des petites journées, hein. Des fois, comme ça, c'est des petites journées. Non, c'est la première journée. C'est la première journée, ouais, d'accord. C'est la première journée, mais en même temps, c'est ma barre d'énergie qui descend. Bah ouais, t'as fait beaucoup de foraging. Bah, même pas tant que ça. Ouais. Ouais. J'ai envie de voir argent, t'es un peu... Hein, bon. Ouais. Je pense que... Attends, si c'est le jour 23 qui commence... T'es censé commencer sur un jour impair. Ah merde, on vient de faire deux jours ? Je crois qu'on a fait deux jours, hein. Bah non, attends, qu'est-ce qu'on a fait ? Il me semble que le premier jour, il y a eu le poulailler, on a été... Non. Deux fois de suite, on s'est couché super tôt, hein. Mais non, mais là, c'est les jours 12. Ah, attends, on est arrivé, c'était jour 20. Ouais. Non, on est arrivé, c'était jour 20, donc 20, 21. On est arrivé, c'était le jour 20 ? Oui, justement, j'ai dit, tiens, c'est le jour 20, c'est bizarre. C'est bizarre qu'on commence sur un jour pair. Bah oui, mais on a commencé. Bah non, parce qu'il y avait eu la chasse aux œufs et qu'il y a un épisode où on en avait fait qu'un seul parce que ça faisait déjà je sais pas combien de temps. Ah ouais ? Ouais, mais on a commencé jour 20 là, c'est sûr. Donc on a fait 20-21 dans le premier et 22-23 du coup, donc c'est là, ça. Donc là c'est le 23, c'est le d'accord. Ouais, ok, d'accord, le pardon. Bah d'accord, ok. Oh là là, j'ai toujours raison. Bah oui, mais c'est normal, je trouve ça bizarre que. Que j'ai toujours raison. Non, je trouve ça bizarre que. Et je me rappelle pas avoir fait un épisode où on faisait qu'un seul jour, mais c'est possible.
Si, le jour où il y avait le maire et tout ça, là, avec les... Ah, c'est vrai que ça avait duré longtemps, ça. Ouais. C'est pour ça que c'était pratique que je mette un chrono. Je me demande si on va pas... Ouais, peut-être. Enfin, un minuteur. Du courrier. Alors, c'est qui? Louis, c'est moi qui parle. Dear Millette, mes chers, chers Millette, demain a lieu, together, la danse des fleurs. La danse des fleurs, demain, c'est ça. Si t'arrives à te trouver un partenaire, tu pourrais même participer à la danse toi-même. Bal. Au bal. Ah ouais, carrément, toi, tu te projettes comme ça. Une petite clairière. Mais oh, mais tu mets trop une petite clairière derrière la forêt à l'ouest de la ville où il y aura lieu le bal. Arrive entre 9h du matin et 2h de l'après-midi si tu es intéressé, Mère Lewis. Ouais, mais personne voudra danser avec moi. Moi, je veux bien danser avec toi. Mais toi, c'est pas dans le jeu. Oh, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pané, même, j'ai envie de dire. Oh là là. Tous ces panés qui sont pourtant... Ah oui, il fallait qu'on en récupère au moins 5 de qualité. Oh, c'est pour ça qu'on avait planté autant de panés. Mais là, tu récupères rien de la qualité. C'est pour en avoir 5 dorés. Zéro de la qualité. Zéro de la qualité du pané. Mais si, il y en a 3. Ah. On n'avait pas déjà 2. C'est pas impossible, je ne sais guère. Est-ce qu'on descendrait pas un petit peu à la mine après? Pourquoi bien? Oh, des minéraux, des sous. De l'exercice. Dis-moi que j'avais gardé 2 panés jolis. Oh, il y en a qu'un seul! Oh putain de merde! Eh ben, il va falloir replanter des panés. Waouh, attends, on est le 23 et ça met combien de jours? Je sais plus. Ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix, on va aller acheter du pané. Ouais. On va mettre du fertilisant aussi. Ah oui, ça c'est du coup la qualité. Un petit peu. Bah oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on veut. Ouais. On va faire ça. Et je vais vendre en même temps les... Alors, je vais garder ceux-là qui sont très précieux. Et tout cela, je vais les vendre. Ouais. Bon, allez. Je vais chez Pierre acheter du... Faut que tu rachètes du fertilisant du encore. Grain. Non, oh. Regarde, ils sont déjà tous fertilisés, là. Les... Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. C'est... Tu vois? Ouais. Par contre, okay. Je vais préparer le terrain à paner. La question, c'est combien on en plante? C'est combien en longueur, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ? Non, 8 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est ça, 8. Ok, 8, mais il y a déjà 3 slots de prix. Tu peux en prendre... Après, il en faut qu'un seul, hein, de qualité. Et on a mis du fertilisant, donc on n'est pas obligé non plus de faire... Tu peux en prendre 16, ça me semble être bien. Ouais, puis ça fera des sous. Pour être sûr. Non, mais là, je vais dépenser. Bande de feignasses. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On fout les poubelles devant les gens pour bien qu'ils soient dégoûtés de ton existence. Oh! Mais il faut qu'ils arrêtent de jeter leur snack là. Bonjour, vous voulez un snack qu'on va trouver dans une poubelle? Vas-y toi. J'apprends à Vincent, je donne la leçon en gros, enfin je m'occupe de Vincent et Jazz aujourd'hui, et ils sont chiants. Mais c'est chouette d'avoir des différences. Non. si. Non. Si, moi je vais traduire comme ça. Non, c'est chouette. Alors, de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en. Oh putain. Dis donc, Shane... C'est génial, merci. Le mec très lunatique. Ouais. Je te déteste. Oh, merci. T'es ma meilleure amie maintenant. Ah, tu vas refoutre, dégage. Allez, 9h, allez. Retourne au pisser à la con, là, voilà. Hello. Oh. Hello. Oh, le sac qu'on peut avoir. Bonjour, je voudrais te vendre des trucs. Tiens, prends du pané. T'aimes ça, le pané? C'est quoi? Alors, Oh non! T'as mieux rangé, prends-en 16! Oui, mais il y a des slots qui sont pris et... Mais pas au milieu! Ouais, mais il manquait combien de fertilisants sur le... Si, au milieu! Je crois que t'en avais 7. Ah oui, c'est vrai que ils étaient... Oh, je sais plus. 2, je crois. Ah, il y a du speed gros aussi. Bon, ça ira. Qu'est-ce que... Quoi, la quête? Non, pas la quête. Ah non, ça doit être dis-le si tu te fais chier. Ouais, carrément, ouais. Un au fait, je pense. Au fait. Ouais, c'est ça, j'ai dû récupérer plein de gold. Au revoir. Plantez des panais. Allez, on y retourne. C'était quoi qu'on voulait faire aujourd'hui? Des sous.
Il est filé, ça. Ça va, Boubou? Mais oui, ça va, là. Et là, ces petites patounes. Alors, c'est parti. J'espère que ça va pousser suffisamment vite. Ah oui, c'est ça que j'ai pas regardé. 4 jours. C'est bon. Oui, c'est bon, large. Voilà. Ok. Ah mais en fait, j'ai racheté du fertilisant pour rien. Ça servira plus tard. Ouais, mais j'en ai acheté un trop. Dans la vie, il faut mieux acheter trop de fertilisant, sinon après, tu fertilises plus. Je suis pas, pas très doué pour... Et je pourrais couper du bois aussi, parce que je vais avoir besoin de masse de bois. Ouais, mais fais gaffe à ton énergie ou quoi. Bah ouais, bah écoute, au pire, j'utilise mes fils snacks. Ah, ce que je peux faire aussi quand je coupe du bois, c'est de faire des fils snacks justement avec les... Les... Qu'est-ce qui en tombe? Les fruits. Ouais. Ouais, ouais, ouais. T'es fatigué, toi. C'est... Ce jeu me calme, en fait. C'est pour ça que j'arrête pas de bailler, c'est parce que je suis... Détendu. Ouais. Voilà, si vous avez quelqu'un d'énervé à la maison... Voilà, faites-le jouer à Stardew Valley. C'est vrai que quand tu joues à Stardew Valley, je baille très 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 souvent. C'est vrai qu'il est reposant, ce jeu. Mm. C'est vrai que j'aime bien. Il est très mignon. Et il repose. Enfin, faut parler quand même, parce que sinon les gens... Oui, ce que j'aurais pu je faire... Je vous ai parlé de la fois où je me suis mis un dans le cul. Super. J'aime bien faire des esprits contemplatifs avec Alice. Donc oui, tu vas utiliser ce que tu veux faire. J'aurais pu aller améliorer ma pioche. Ouais. Mais surtout là, si t'en as pas besoin, oui. Bah, comme on sait jamais quand est-ce qu'on va descendre à la mine. Mm. T'as pas besoin de genre, tu pourrais pas améliorer ton épée? Pour qu'elle fasse plus de dégâts? Non. Non? Ah non, les épées, faut en acheter une. D'accord. C'est très chiant. Alors, quand j'aurai amélioré suffisamment ma hache... Oui. Je pourrai m'attaquer... Ah, mais je peux déjà! Mais ouh, c'est merveilleux! Cette découverte! Et ça me donne du hardwood. Le bon hardwood! Ah, bah c'est chouette! Pourquoi il me fallait du hardwood matinal. Déjà? C'était pour fabriquer quoi? Moi j'aurais retenu pour un bundle. C'est pas pour le moulin? Ah non, pour un bundle, t'as raison. Pour un bundle, il m'en faut 10. Glan, 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 glan. Ouf, ça me donne pas énorme. Glan, 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 glan. Merci, Alexis. Alors quand il mange, il fait vraiment ces bruits-là. Hein, bah c'est... oui. C'est pas pratique du coup parce que je suis occupé à faire du bruit en même temps que je mange. Et bah ça c'est chouette, on va pouvoir amener aux Junimos du bon hardwood. Et deux fois, il me fallait aussi 2 x 99 de pierre. Ah non, de pierre. Et une fois 99 de bois. Ouais. Et la pierre, il est pas possible que tu l'aies déjà. Hein. Ah oui, la pierre, je l'ai déjà. 2 x 99. Ouais. Ouais, si, peut-être. C'est plus long de se déplacer dans ces herbes hautes. Et en même temps, c'est bien parce que je nettoie les petites... Tu nettoies les petites îles, ouais. Faut d'abord nettoyer chez soi. Avant de regarder les îles de chez les autres. Ouais, oui, c'est ça qui dit le proverbe. Ouais. Nettoie ton île avant la paille que t'as dans l'œil. Dans l'œil, dans le cul de la... Waouh. Je suis en mode automatique complet. Je dois bien avoir 10 hardwood. Ouais, 16 ouais. Même. Ça, c'est chouette. Eh bien, nous allons aller compléter le bundle. Et du coup, on va pouvoir compléter un bundle entier. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce que t'as comme récompense quand tu complètes? Eh bien, je sais plus. Ça dépend des bundles, en fait. C'est... Les récompenses dépendent des bundles. Les bundles. De l'humeur des animaux. Des jeux vidéo. Tellement plus simple de les appeler luminaux. Oui. Papillon. Alors. Magnifique. Parce que ça, tous ces petits lingots là, de iron de fer. Ouais, déjà, du fer. C'est ça. Je vais pouvoir. Alors 2 x 99, ça fait combien? Ça fait 198. Hein? Ça fait 198. Est-ce que je vais réussir à m'arrêter pile à 198? Moi je pense pas. Moi je pense que tu vas t'arrêter à 197. Bien joué.
joué. Très bien joué. Voilà, du bois, t'as ce qu'il faut. Ok. Non, attends. Je vais prendre pile ce que j'ai besoin, parce que... Ouais, parce que sinon, après, tu vas faire des conneries, tu vas les jeter. Donc... C'est ça. Donc ça... Ça, je le pose là. Ah, mais attends, je peux me faire un field snack 4. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Et du bois, c'était 99, il me semble. Oui, je crois. Bon, écoute, dans le doute, je vais en emmener un peu plus. Ah, mais je suis con. Qu'ils arrivent. Ah oui, tu peux vérifier. Non. C'est à côté du coup. Crossroom, ouais. Voilà. 99 que... Ah, c'est 2 fois 99 de bois merde. Et 1 fois 99 de pierre. Ah. C'est toi qui avais raison, je crois. Non, moi je pensais que t'avais raison, donc je me suis trompé aussi. Ah là là. Est-ce que j'ai 2 fois 99 de bois? Je ne crois pas, non. Eh ben, on va... Il faudra que t'ailles déposer du bois. Donc que t'ailles couper du bois, plutôt. Ah, mais attends, j'en avais d'autres, non? Ah non, j'en ai pas d'autres. Wow. Bon, bah, coupage de bois. Coupage de bois... Mais tu peux faire pas d'enfant, tu peux faire des snacks, ouais. Comme ça, je vais pouvoir couper... un peu plus de bois. Bon, bah, c'est reparti. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est reparti pour du coupage de bois. J'espère qu'il y a assez d'arbres sur ma propriété. J'en profite pour me remplir l'arrosoir. Ah, vas-y, mais je t'en prie. C'est important. Ça va me remplir l'arrosoir. Là où il n'y a pas d'arbres. Ah, si, là, il y en a un. Ah, le chat, c'est une loque. Hein. Bah, c'est très réaliste. Hein. Oui. Il dort. Sa journée à roupiller. C'est un chat. Ouais, mais ça fait du bois aussi. Ça en fait pas beaucoup, tu veux me dire. Bah ouais, faut le mieux le laisser grandir. Faut le mieux. Faut le mieux. Et qui veut le mieux, pleut bien. Ouais. Et qui pleut bien, pleut plus. Mais tu vois, là, celui-là, j'ai pas le choix. Faut que je le dégomme parce que il est sur mon chemin. Ah oui, faut que je mange. Il y a une vigilance orange en Ile-de-France pour la canicule. Ouais. Et nous, on est en Bretagne, on se marre bien. Il fait gris, il a plu à peu près tout l'après-midi. Mais par contre, il fait lourd. Il fait un peu lourd, ouais. Mais par contre, parce que le soleil de pluie va peut-être sortir en hiver et du coup on se rappellera la nostalgie. Il me semble que là, si je suis régulier dans le montage et dans les exports, il devrait sortir courant juillet. Je peux les casser les grosses pierres là, je sais plus. Non. Non. La pickaxe n'est pas assez strong. Il va partir à gauche. Bah oui, il va partir à gauche, mais. Et voilà. S'il te plaît. Hey. Et... Qu'est-ce que je suis futé! Oh là là, la petite futeille! T'as ce qu'il faut. Non, c'est écrit de 200... 205, si c'est ah bon. Ah bah si, c'est bon, t'as ce qu'il faut. Oh, je coupe quand même celui-là pour la forme. Ah, allez, celui-là il t'a regardé de travers, vas-y, tu lui pètes sa gueule. Ok, donc cette fois, bundle. Voilà, le bon bundle de Luminou. Je sais plus du tout ce que ça donne. On va le savoir. Mais ça va être marqué en fait en bas. Oh, j'ai hâte d'avoir le silo pour virer toutes ces herbes hautes. Oh, talala. Ce serait tellement mieux. Donc là, par contre, c'est le jour 2. Tu voudras quand même mettre un chrono après? Je pense que ça peut être bien, ouais, pour les jours particulièrement longs, quoi, qu'on se retrouve avec des épisodes de 50 minutes. Ben ouais. Après, là, cette session d'enregistrement, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre. Je pense qu'il suffira d'en enregistrer deux de plus. Ouais. Et on aura l'équivalent de 4 semaines d'épisodes, je pense. Ah oui, parce qu'il y a ceux que t'as pas monté encore. Ouais. Mais tu les sors par paire, non? Bah, je les sors, oui, un jeudi... non, si, un jeudi et un le samedi. Bah, du coup, ça va t'en faire que 13. Enfin... Non, parce que là, j'ai... pour l'instant, les épisodes qui sont sortis, c'est jusqu'à l'épisode 6. Ouais. Et là, on est en train d'enregistrer l'épisode. Alors, ça va me donner. Ils vont me réparer un pont. Ils ce fameux pont à droite d'accord. De la mine. D'accord. Ah, c'est cool ça. Et j'ai un autre cadeau. Ah. D'accord. Ça fabrique du charbon. Ça change 10 morceaux de bois en un morceau de charbon. Bon, bah, ça peut être utile ça. Oui.
Et ça en fait déjà. Ah oui, non, c'est il répare le pont quand j'aurai fini tout le. De, ah, voilà, d'accord. De compléter tous les bundles de cette. Ils sont un peu. Hein, c'est un peu de l'exploitation, ça, monsieur les Luminous. Tu vois les trois petites bouteilles là en bas, là. Ouais. Et bah, c'est les sirops d'érable, machin. Et bah, c'est de l'agneau. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, voilà. Donc, une fois que t'auras fait les trois trucs, t'auras... Je pourrais compléter ce bundle. D'accord. Et ce sera bien. Ça, ce en l'été, été. C'est bientôt. Oh. L'hiver, avec un peu de chance, tu trouveras ce qu'il faut dans le. Ah, ça va me débloquer les nouveaux bundles. Oh, chouette. Blur. T'as un petit lumineux là qui. Petit lumineux en forme de pomme. Qui emmène sa petite. Ah oui, non, d'accord. C'est... Okay, il va l'emmener dans sa petite c'est... maison en fait. Vas-y, champion. C'est ma pomme. J'ai une pomme. Hey. Bon, lui, il a peur. Alors, ça, ça va demander très certainement des minéraux. Boiler room, ouais. Ah, donc un de chaque. C'est... Ah, j'ai pas d'or encore. J'ai cuivre, fer, mais je sais pas, or. Oh, ça j'en ai. Ah, j'ai que les deux premiers. Ah, mais c'est bon, il en faut que deux. Ah, mais c'est 99 trucs de slime et 10 trucs de chauve-souris. Et ça, leur premier et troisième jet. Ok. Donc, celui-là, ça va être rapide. Et c'était quoi la récompense quand t'as fait tout ça? Minecart, répar. Ah oui, c'est le petit wagon de la mine. Oh, c'est tellement pratique le wagon de la mine, tu peux aller beaucoup. Enfin, ouais. Ah, tu spoil pas? Ouais, non. Ouais, vaut mieux pas spoiler. Mais. Ok, suis... très bien. Je suis sûr que c'est fort pratique, hein. Ouais, c'est fort pratique. Ah bah, il fait déjà presque nuit. Ah bah oui, 8h. 8h du soir. 8h de la nuit. Qu'est-ce qu'il te reste à faire là aujourd'hui Bah, rien, vendre mes merdes que j'ai sur moi là. Ouais. Et puis ce sera déjà la fin de l'épisode du coup. Ouais. Oh, ça va être. Bah, ouais, mais des fois ça va vite, hein. Remarque, on dit ça a été une journée relativement productive, t'as quand même réussi à finir un bundle, c'est chouette. Enfin, ouais, ben, ouais. Ça, je vais les garder. Ça, je vais garder. Ouais, en fait, j'ai pas grand-chose. Ah bon, de là. Oh, ça manque de lumière par là dans ma maison. Bah ouais, du coup, t'as mis ta cheminée de l'autre côté. Oui. Tu pourrais mettre une torche à l'intérieur, non? Si t'en ça, je pourrais en donner un au luminou. Il n'y a que celui-là que je peux donner pour l'instant. Hmm. Oui, je pourrais mettre une torche là, mais bon. Bon, si ne pas en mettre, si tu préfères. Ah bah voilà, il suffit de faire du petit fond d'eau, puis ça... Toi, toi. Ah, je t'aime quand tu me frappes. Oh, chat. Je sais, c'est une victime. Oh non, bon, bon, je sais pas quoi faire de mon... Je vais me mettre dans les... ça. Ah oui, non, j'ai pas du tout 99... Ah non, t'en avais 25. C'est presque 99... Par contre, j'avais 99 trucs de... Enfin, je sais plus, les trucs de chauve-souris, là, j'en ai beaucoup. Ah non, 13. 13, non, bah, c'est bon, bien aussi. Bon, bah voilà. C'est... Est-ce que j'ai pris des petits niveaux, tiens? Non. Comment ça? Parce que d'habitude, ça fait... Non, ça fait du ring quand je finis un truc de quête ou quand je... Ah, très bien. Voilà. Voilà. Je peux fabriquer la ruche. La ruche. Bee house. Ils s'emmerdent pas. C'est la maison des hommes. Alors, mon arrosoir est plus efficient. Plus efficace, ouais. Efficace. Et ma... Proficiency, c'est la compétence. On avait vu ça. Oui. Tu de vouloir dire qu'il peut contenir plus d'eau, par exemple. T'as gagné un point de compétence d'arrosoir. Ouais. Et un point de compétence de faux. Oh. Mais tu as aussi gagné un point de compétence de hache. Ah bah tiens, je peux le fabriquer. Culture de baies sauvages avec des tu peux aussi crafter des graines des de graines sauvages, des graines dessus. Ok, non, sup, c'est d'accord. Voilà. Très bien. Et ben, t'as pratiquement rien gagné du remarque. Ah. 30 gold pour une petite fleur à la con. C'est toi la petite fleur. Ah, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ah oui, merci. On se donne rendez-vous donc normalement la semaine prochaine pour la suite. Ah oui, la suite. D'ici là, pensez à bien vous brosser les dents ce soir. Et sauf si vous en avez plus. Oui, auquel cas, oui, vous pouvez vous brosser les gencives, mais ça doit être particulièrement désagréable, je ne sais pas. Non, je pense qu'il faut la brosser quand même, la gencive. D'accord, ok. Oui, c'est important. L'hygiène bucco-dentaire d'une façon générale, c'est important. Ouais. Bisous. Bisous. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si tu le désires, tu peux t'abonner à Links Off en cliquant sur le rond à gauche et tu peux t'abonner à mon autre chaîne, Links the Sun, sur le lien à droite. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir, et tu peux accéder à la playlist de cette émission en bas à gauche. Bonne fin de journée à toi et à la prochaine.